Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Félix Félicis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 15 choses à savoir sur la boutique Sweet. Donc on se retrouve directement dans cette boutique. 1. Sweet fait partie de l'ensemble de 3 boutiques spécialisées dans l'univers d'Harry Potter. Le 15 septembre, un nouveau magasin Sweet ouvre ses portes à Angoulême et vous invite une fois de plus dans l'univers de notre très cher Harry Potter. La boutique est également spécialisée dans la vente de confiseries du monde, c'est-à-dire des produits alimentaires rares en France. Il y a donc des produits venus des États-Unis, du Canada, du Japon, etc. Comme vous l'avez remarqué, dans ce magasin, on voyage non seulement dans le monde magique, mais également sur notre monde. 2. La boutique se situe dans la ville de New York dans le 79 et plus précisément 32 rue Ricard et rue des Cordeliers, puisque la boutique comporte 2 entrées, une pour les confiseries du monde et l'autre pour la partie Harry Potter. 3. Sweet a à son actif 2 employés, tous deux passionnés du monde magique et qui sauront vous aiguiller dans vos recherches de vêtements, objets, etc. Leurs conseils sont de bonne qualité et leur bonne humeur indispensable à la boutique. 4. Il est impossible de savoir le nombre exact de produits Harry Potter dans la boutique, puisque des produits arrivent toutes les semaines et d'autres disparaissent, d'où la nécessité d'aller voir ce qu'ils nous offrent avant que le produit ne nous échappe. Il y a également un large choix de baguettes magiques parmi les 72 existantes, et les plus connues sont également mises en avant. 5. Par jour, la boutique atteint parfois le nombre de 700 visiteurs. La moyenne est tout de même de 500 visiteurs par jour. 6. Pour la rentrée qui est dans peu de temps, je vous le rappelle, Sweet vous propose une multitude de fournitures scolaires Harry Potter, des trousses, des crayons, des carnets, etc. Il y a également des bijoux de qualité disponibles dans une vitrine qui pourront embellir vos tenues pour la rentrée. 7. Le magasin possède certains produits qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Ils ont donc l'exclusivité nationale sur les montres, les cahiers magnétiques et certains vêtements. Certains produits sont aussi présents en avant-première dans cette boutique. 8. Maintenant, parlons un peu des personnes qui vous reçoivent dans le magasin. Commençons par leur demander quelle est leur maison à Poudlard. Ma maison sur Pottermore est Gryffondor, c'est pour ça que je partenais les couleurs de ma maison. Le deuxième vendeur, quant à lui, a été réparti dans la maison de Poufsouffle. Parlons maintenant de leur personnage préféré de la saga. J'aime beaucoup Luna. Luna, par son excentricité, enfin voilà, c'est... En fait, c'est celle qui est le plus dans le même type de personnalité que moi, parce que là, elle pense en dehors des boîtes, en dehors des labels, et elle est vraiment à part. Elle dit ce qu'elle pense, mais derrière ça, elle n'est pas impliquée dans la société, parce que j'aime beaucoup chez elle. Et pour le second vendeur, il est question de Rogue pour la complexité de ce personnage. 9. L'un des deux employés est encore un élève sorcier, il va bientôt passer ses buses. Souhaitons-lui bonne chance. 10. La partie Harry Potter du magasin mesure 50 mètres carrés. Vous vous rendez compte tout de même, cela signifie 50 mètres carrés de bonheur. 11. La décoration a en grande partie été réalisée par la préfète en chef du magasin. Grâce à son imagination débordante et ses talents, elle a réussi à réaliser plusieurs clins d'œil à la saga que je vous laisse découvrir. Pour le moment, l'objet le plus imposant de la boutique est le magnifique Nimbus 2001. Et les plus petits sont les pins et les badges. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a pour tous les goûts. 13. Maintenant, passons à l'objet le plus mignon, qui est pour le moment le Demigoise en peluche. Il est juste adorable. Et l'objet, ou plutôt les objets les moins mignons et donc les plus terrifiants, sont les objets appartenant au Mangemort. Et pour ma part, c'est surtout le couteau de Bellatrix, il a tout de même tué Dobby, rappelez-vous. 14. Comme vous le savez, à Londres, il y a une sorte de mini-attraction qui consiste à vous faire photographier en tenant le chariot de Harry qui passe à travers la barrière 9¾. Eh bien, Sweet vous propose la même chose. Vous n'avez pas besoin de payer, ni de faire la queue. Vous pouvez également choisir l'écharpe de la maison que vous souhaitez. Il suffit juste de demander. 15. La boutique est séparée en plusieurs hôtels dédiés à certains personnages de la saga, comme celui des Mangemorts ou encore de Dolores Umbridge. Cela offre une décoration et une immersion dans le monde magique de qualité. J'espère donc vous avoir appris quelques petits trucs sur cette fabuleuse boutique et surtout vous avoir donné envie d'y aller. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes déjà allé ou si vous comptez y aller. Je vous mets également le lien de la page Facebook du magasin dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Et à la semaine prochaine !